souvent, les gens qui ont l'intestin irritable, c'est des personnes qui ont un peu une vie à 1000 à l'heure, très très souvent. Alors voilà, c'est un exemple, hein, c'est pas une réalité avérée, il y a toujours des personnes qui ne sont pas dans ce cas-là, mais dans la majorité des cas, c'est des personnes qui ne s'arrêtent jamais, qui ont toujours besoin de combler les trous dans l'emploi du temps, et ben, en fait, leur esprit n'a pas de repos et leur corps non plus. Donc, c'est logique quand on y pense que les intestins n'en peuvent plus. Ils n'ont pas le temps, en fait, de se poser, de vraiment enclencher le processus de digestion. Et il y a toujours souvent soit de la constipation, soit des diarrhées. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Aujourd'hui dans Pas de soucis, je reçois Marina Gratiano, naturopathe et professeure de yoga. Marina accompagne les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable dans leur guérison. Dans cet épisode, on parle du lien entre digestion et santé mentale, de l'axe intestin-cerveau, de FODMAP, d'alimentation mais pas que, et de toutes les choses bidou-friendly pour se sentir mieux dans son ventre et dans sa tête. Bienvenue Marina, du coup dans cet épisode, je suis hyper ravie d'être avec toi. J'ai une première question pour toi, est-ce que déjà tu peux nous raconter un peu qui tu es, ton parcours, ta guérison du syndrome de l'intestin irritable, dis-nous un petit peu comment voilà, t'en es arrivée là où t'es aujourd'hui. Super, bah bonjour Camille, merci à toi de m'avoir invitée sur ce podcast, je suis super contente d'être là aujourd'hui et de pouvoir témoigner et apporter des informations pour les gens qui en auraient besoin à ce sujet. Donc moi je m'appelle Marina, je suis naturopathe et professeure de yoga. Pourquoi je me suis tournée vers la naturopathie? Parce qu'elle m'a beaucoup aidée à me sentir mieux, à gérer mon syndrome de l'intestin irritable. Je suis longtemps restée en errance médicale, hein, clairement, à voir beaucoup de médecins, beaucoup de professeurs, de gastro-entérologues, même jusqu'à voir des gynécologues, parce que quand on trouve rien dans la sphère digestive, on se dit bon bah peut-être que ça vient d'une autre sphère. Donc voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'examens médicaux sans résultat. Les réponses étaient toujours les mêmes et les prescriptions aussi de médicaments étaient toujours les mêmes. Et ça, à la longue, ça me dérangeait énormément parce que je sentais clairement que c'était pas ça qui allait changer quelque chose à mon état. Donc, j'ai d'abord décidé de me requinquer un petit peu toute seule et après, voilà, après m'être renseignée, m'être rapprochée de la naturopathie aussi. En fait, je me suis dit waouh, mais je suis en train de découvrir un truc de dingue. Pourquoi on n'en parle pas plus? Pourquoi c'est pas plus médiatisé, quoi? Donc j'ai vraiment réussi par des méthodes naturelles. Enfin, après il y a pas de méthode miraculeuse. Hein. Quand on parle de naturopathie ou de choses pour aller mieux, non, il y a rien de miraculeux. C'est juste des principes de base, mais desquels on s'éloigne avec le temps, au fur et à mesure, on s'éloigne vraiment de ces choses-là. Donc, j'ai fait en sorte dans mon hygiène de vie d'être en accord avec mes besoins et visiblement, ça a fonctionné. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Le ventre gonflé que j'avais avant, constamment, les crises toutes les semaines, à ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir manger dehors parce que je savais très bien que c'est pas glamour, hein, mais qu'il me fallait des toilettes juste après. Donc ça a développé une anxiété assez intense à ce moment-là, même si de base, je ne le suis pas. Mais ces années de ma vie, à cause simplement, entre guillemets, de mon ventre, ouais, j'étais beaucoup, beaucoup stressée, beaucoup anxieuse. Donc, le fait d'être sortie de tout ça, c'est une libération. Oui, et puis j'imagine que l'un renforce l'autre. Après, plus on est stressé de façon chronique. Ça s'alimente, ouais. Vraiment. On développe une anxiété à cause de ces troubles digestifs. Ensuite, l'anxiété a un impact négatif, forcément, sur le ventre, qui est un petit peu le premier à réagir. Donc, c'était vraiment un cercle vicieux. Et après, c'est le moral qui en prend un coup. Hein. Vraiment, moi, je me rappelle maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais c'est dingue, parce que moi qui suis de nature joyeuse, optimiste, mais vraiment il y a des périodes, je dirais pas que je suis partie en dépression, mais honnêtement si ça avait duré un petit peu plus longtemps, j'en étais pas loin, vraiment, à pleurer tous les jours, à me lever le matin, ne même pas avoir envie de me sortir du lit tellement je savais que la journée allait pas être dingue. Donc non, c'est après c'est
c'est pas uniquement des troubles digestifs, ça a un impact sur tout le reste et ça peut entacher la qualité de la vie x10, quoi. Énormément, énormément. Ouais, donc aujourd'hui, c'est ton message. Je vais te poser la question pour que les choses soient claires dès le départ, mais le syndrome de l'intestin irritable, on peut en guérir du coup. Complètement, complètement. Ouais, ouais. On peut. Alors, comme c'est pas une maladie en soi, on peut pas en guérir. Par contre, on peut agir sur les causes de ces symptômes-là. Causes qui peuvent être complètement différentes en fonction des gens. Ça peut être uniquement quelque chose qui ne va pas dans l'hygiène de vie, donc quelque chose qu'on fait tous les jours et qui ne nous correspond pas, même si on pense bien faire. Ça, c'est vraiment le paradoxe, c'est que c'est bien d'avoir des avis extérieurs, souvent, de personnes qui ont de l'expérience, parce que bah, à trop vouloir bien faire, des fois moi c'était ça au début, hein. Moi je voulais super bien manger, je mangeais des légumes à tous les repas, des crudités, tout ça, c'était le pire pour mon ventre, mais voilà, je pensais bien faire, et ça renforce encore plus bah, l'état de frustration et de colère, hein, qui grandit au fur et à mesure, parce qu'on se dit purée, mais je fais tout, je fais de mon mieux, qu'est-ce que je peux faire de plus, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc il y a ça. Après, il y a des causes plus spécifiques qui ne sont pas rares du tout, comme le SIBO, l'hypochlorhydrie, des troubles hormonaux comme SOPK, endométriose ou hypothyroïdie, des choses comme ça qui peuvent être directement liées aux troubles digestifs. Donc là, c'est pas uniquement au niveau du ventre qu'il faut agir, c'est à l'étape du dessus, quoi, vraiment à la source du problème. Mais voilà, une fois que la cause est trouvée et qu'on agit dessus, les symptômes sont mis sous silence et on peut vivre une vie normale sans que le ventre soit un problème pour l'avenir. Mmh. Donc dans tous les cas, finalement, cet intestin irritable, c'est un symptôme, quoi. Soit de quelque chose qu'on fait dans notre quotidien qui n'est pas OK, soit d'un problème de santé qui est l'étape d'avant, en fait, finalement. Exactement, exactement. Il n'y a pas le syndrome de l'intestin irritable comme ça qui arrive de nulle part un jour. C'est toujours, voilà, soit un petit déséquilibre au niveau de l'hygiène de vie, qui peut éventuellement ressurgir de temps en temps. Hein. C'est pas la vie, elle est pas linéaire, et ça, c'est pas grave. Le tout, c'est de savoir le gérer et de savoir quoi faire pour pas que ça dure. Mais voilà, des fois, c'est vraiment quelque chose de plus spécifique qu'il faut d'abord trouver. C'est pas évident aussi, toujours. Mais une fois qu'on l'a trouvé, bah, on sait d'où ça vient. Au moins, déjà, ça enlève... Ça enlève une épine du pied, parce que quand on est dans l'errance complète, on se dit mais d'où ça vient ? Donc une fois qu'on sait, on sait quelle direction prendre. Mais voilà, dans tous les cas, c'est gérable. Ça peut prendre du temps, hein, il faut investiguer, mais c'est gérable. Ouais, ça enlève, j'imagine, beaucoup d'anxiété de savoir ce qu'on a. Hein. C'est toujours la même chose. Je résonne beaucoup avec ce que tu disais sur je fais tout bien et je sais plus quoi faire. Moi, c'était un peu ça aussi avec l'eczéma. Mais par exemple, le jus de citron le matin, c'était l'horreur absolue pour moi et je faisais ça tous les matins. Donc je sais ces petites choses qu'on fait et qui, en fait, il faudrait pas faire, mais all good. Ok, donc tu disais, une fois qu'on trouve la cause, on peut commencer à travailler dessus, les symptômes sont mis sous silence. C'est quoi, du coup, les symptômes d'un intestin irritable? Peut-être pour quelqu'un qui est pas confortable au niveau digestif, mais qui sait pas trop si elle a ça ou pas. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être comment ça s'est manifesté pour toi, comment ça peut se manifester de façon générale? Oui, alors les symptômes de l'intestin irritable, ils peuvent arriver très tardivement, comme ils peuvent être là depuis l'enfance. Ça dépend vraiment des personnes. Moi, j'ai de tout en consultation. J'ai des personnes qui ont une trentaine d'années et qui ont ces symptômes que depuis 6 mois ou 1 an. D'autres qui me disent bah, « je me sens comme ça depuis toujours ». Donc, ça dépend vraiment des personnes. À savoir aussi que les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre. Des fois, il y a une personne qui me dit « bon, bah, je me sens pas exactement comme toutes les personnes que j'entends autour de moi qui ont ça ». Mais au final, voilà, elle a quand même des troubles digestifs avérés. Donc, c'est très variable. Les symptômes classiques quand même qui ressortent le plus, c'est un ventre très gonflé, mais vraiment exagérément gonflé. On a l'impression d'être enceinte de 3-4 mois, voire 5 des fois. Donc ce ventre gonflé qui n'est pas forcément douloureux. C'est ça le truc, c'est que moi des fois j'ai des personnes qui me disent « bon, j'ai le ventre gonflé tout le temps, alors oui ça me gêne mais j'ai pas mal ». Ouais, mais c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir un ventre distendu à partir du bas de la poitrine jusqu'en bas, à faire changer de taille de pantalon une voire deux tailles en plus, c'est pas normal. Donc ce ventre distendu souvent après les repas, un inconfort, voilà, il n'y a pas forcément de douleur, mais un inconfort notable, une altération du transit très très souvent, que ce soit constipation, diarrhée, ou alors un mélange subtil des deux, on adore
Donc voilà, des périodes de constipation suivies de diarrhée et ensuite bah, ça recommence, hein. Il peut y avoir des douleurs, bien sûr. C'est pas systématique, mais il peut y avoir des douleurs. Surtout, alors je pense que le propre de l'intestin irritable, c'est les crises, comme on appelle ça. C'est des périodes un peu où on va se sentir pas très bien, mais voilà, ça va, on vit, on fait avec. Et il y a un moment donné où le corps il va dire stop. Et là, tout de suite, on va avoir de très très gros spasmes. Vraiment, c'est le moment où on ne peut plus rien faire. On est couché, on a des sueurs froides, on devient tout pâle. Enfin, vraiment, c'est une douleur très très lancinante. Et là, très souvent dans ces moments-là, bah, il faut un toilette à côté. C'est vraiment la douleur qui t'envoie tout de suite aux toilettes. Pas glamour du tout, tu te vides et après normalement ça va mieux. Mais ces crises-là, c'est souvent ça qui est la source de l'anxiété des personnes qui ont l'intestin irritable et moi c'était la mienne. Parce que des fois, quand c'est chez toi, bon c'est douloureux, mais voilà, tu gères, t'es chez toi, t'es tranquille. Quand ça arrive à l'extérieur, c'est pas la même histoire. Et ça peut des fois être dramatique, hein, vraiment. Donc voilà. Et après, donc ça c'est vraiment les symptômes. Primaire, on va dire, mais il y a plein plein d'autres symptômes secondaires qui sont bah, forcément une fatigue chronique à terme, de l'anxiété, ça on en a parlé, des troubles du sommeil aussi, parce que forcément une mauvaise digestion, bah, ton sommeil il est pas adéquat, des carences. Puisque mauvaise assimilation, mauvaise absorption, donc beaucoup, beaucoup de carences. Des phobies aussi, phobie de sortir, de manger à l'extérieur. On peut développer de l'orthorexie aussi. Donc voilà, ça englobe quand même pas mal de choses hein, et c'est pas anodin. Et c'est pour ça que bah, il faut s'en occuper, il faut pas laisser traîner ça. En revanche, je voulais ajouter une chose, c'est que tous ces symptômes-là, même s'ils sont très très handicapants, ils sont pas considérés comme graves, entre guillemets. Le pronostic vital n'est pas engagé. C'est aussi pour ça que des fois, on va avoir des médecins qui le prennent un petit peu à la légère. En revanche, s'il y a des symptômes plus alarmants, comme du sang dans les selles, des vomissements, des malaises, là, il faut à tout prix consulter en urgence parce que ces symptômes-là ne sont normalement pas dans le package, on va dire, du syndrome de l'intestin irritable. Donc là, il faut vraiment consulter d'urgence. Ok, on va parler justement de tous ces systèmes-là. Donc, le lien, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais du coup, le lien avec la santé mentale, peut-être que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as fait, toi, pour aller à la reconquête, j'ai envie de dire, de ta santé mentale qui avait tellement souffert. Voilà, tu n'étais pas du tout anxieuse et tu es devenue anxieuse finalement. Qu'est-ce qui t'a aidé? Je sais que tu fais pas mal de yoga aussi. Est-ce qu'il y a des pratiques comme ça qui t'ont aidé? Alors le yoga c'est venu un petit peu après parce qu'en fait bah, à cause de cette anxiété et de ces troubles digestifs j'étais vraiment rentrée dans un cercle vicieux où à une période j'essayais même pas de prendre soin de moi. Tu sais quand t'es un petit peu au fond du trou et que bah, en fait tu t'enfonces quoi, t'es un peu dans le mode foutu pour foutu, c'est pas du tout le bon mindset mais pendant quelques mois j'étais dans ce mindset-là. Et je pense qu'il y a un vrai sujet aussi d'image de soi, parce que moi j'ai vécu ça avec Complètement. l'eczéma, quand on peut plus se regarder dans le miroir aussi, c'est tellement difficile, c'est presque un corps dont on n'a plus envie de prendre soin en fait. Exactement, c'est exactement ça. Moi, je me souviens, j'étais allée même faire des tests de grossesse des fois, parce que je me disais, c'est pas normal, c'est pas possible d'avoir un ventre aussi énorme. En plus, je suis pas, voilà, je suis assez fine, et je me voyais comme ça dans le miroir, et je détestais cette image. Je mettais pas de pantalon moulant, c'était inconfortable. Et ouais, non, non, comme tu le dis, tu vois un petit peu ton corps bah, au bout d'un moment comme un ennemi et tu t'en déconnectes, ce qui fait que bah, tu penses même pas à prendre soin de lui, quoi. Moi, je me rappelle, alors c'est pas très glorieux non plus, mais il y a même une période où j'étais un peu tombée dans des TCA de type hyperphagie. Parce que bah, c'était des moments qui me réconfortaient. Je me disais, de toute façon, mon ventre me fait déjà souffrir en essayant de faire au mieux. Donc voilà, et c'est comme si un petit peu je le punissais, tu vois, inconsciemment, et ça je m'en rends compte aujourd'hui parce que je suis complètement sortie de tout ça depuis des années, parce qu'aujourd'hui, ben, je me sens tellement mieux que je suis vraiment dans l'optique de prendre soin de moi, de tout faire au quotidien pour me sentir du mieux possible. Mais à cette période-là, c'était un peu l'inverse, alors que c'était pas mon intention de base, mais le fait de me sentir mal et dans mon corps et du coup dans mon esprit, ben, ça fait que j'étais un petit peu rentrée dans un cercle vicieux. Et donc, ce que j'ai fait, bah déjà, je me suis occupée de ma santé intestinale parce que je savais que ma santé mentale ne s'améliorerait pas si dans mon corps ça n'allait pas.
Dès que je mangeais, voilà, j'avais des douleurs intestinales horribles. Je dormais très mal, très 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 mal. Donc ça n'arrangeait pas. Mais en fait, encore une fois, voilà, c'est comme anxiété, digestion. Bah, sommeil, digestion aussi, c'est un cercle. Ça peut être un cercle vertueux, comme ça peut être un cercle vicieux. J'avais très mal au ventre, donc je dormais mal. Forcément, ma digestion ne se régénérait pas forcément la nuit. Je me réveillais le matin, j'étais toujours aussi mal. Donc une fois que j'ai commencé à me sentir mieux dans mon ventre, j'ai commencé à mieux dormir, donc j'ai retrouvé de l'énergie. Donc ça fait que j'ai voulu volontiers reprendre le sport, parce que j'avais arrêté pendant un moment. Donc en fait voilà, là j'étais vraiment dans une bonne dynamique. Et c'est là aussi que j'ai vraiment pris conscience de l'importance de prendre soin de moi dans ma globalité, donc vraiment de faire des choses pour mon mental, pour mon esprit. C'est là que je me suis mise au yoga. Yoga, méditation, les exercices de respiration aussi qui m'ont beaucoup aidée. C'est pour ça que je le rabâche souvent à mes clientes, mais vraiment c'est des petites choses, encore une fois, qui sont assez banales, hein, mais c'est ces petites choses-là faites quotidiennement sur le long terme qui changent tout. Donc moi, c'est toutes ces petites choses-là qui m'ont vraiment aidée à transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux, et que bah, tout comme prendre soin de son corps via l'alimentation, prendre soin de sa santé mentale par plein plein de techniques, c'était pas optionnel quoi, c'était juste nécessaire pour se sentir bien au quotidien. Sur le lien entre santé digestive et santé mentale, pour aller un petit peu plus précisément, et on va plonger là-dedans. On sait aujourd'hui du coup que pratiquement toutes les fonctions intestinales, on l'a dit, hein, elles sont sensibles au stress. Le système digestif, il réagit à nos émotions, il réagit à ce qu'on vit comme expérience, notre expérience, voilà, émotionnelle, psychologique, à toute notre réalité. Et ça, c'est dû à ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, hein. Donc l'axe intestin-cerveau, juste pour revenir sur ces grands systèmes. C'est vraiment cette communication nerveuse qu'il y a entre l'intestin et le cerveau. Et c'est pas qu'une communication nerveuse, les voies, elles sont vraiment multiples. T'as dit que t'avais exploré aussi, bah tiens, est-ce que j'ai pas des problèmes gynécologiques parce qu'on trouve tellement rien que voilà. Et effectivement, maintenant, on sait que dans cet axe intestin-cerveau, il y a le système nerveux qui est impliqué, mais il y a le système hormonal. On va en parler avec les neurotransmetteurs et le système immunitaire. Donc, effectivement, notre état mental, il est directement affecté par l'état de notre intestin. Et moi, j'aime bien rappeler que dans notre intestin, il y a quoi, un truc comme 500 millions de neurones, l'équivalent du cerveau d'un petit chien. Moi, j'adore cette image, je me dis. Et quand j'ai un chien et je me dis, purée, elle est quand même super intelligente. Donc, en fait, s'il y a ce nombre de neurones dans mon intestin, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe à cet endroit-là. C'est Ouais. dingue. Donc, moi, je parle aussi beaucoup du nerf vague. Ça, c'est un des plus grands nerfs qui vient innerver, là, tout notre système digestif qui remonte jusqu'au cerveau et qu'on voit en permanence des signaux, cette fameuse autoroute. Et c'est ça qui est super, super intéressant. Que moi, j'aime bien dire une autoroute à 10 voies, tu sais. Une autoroute à 10 voies, et pour 9 voies qui vont de bas en haut, il n'y en a qu'une qui va de haut en bas. Alors qu'on a tellement l'impression que on dirige tout avec notre cerveau. Et en fait, non. Donc, ça, c'est hyper, hyper intéressant. Et il y a une étude, je me suis un peu renseignée avant de te parler. Une étude par l'Université Mont-Blanc-Savoie qui a fait une étude sur justement des personnes avec le syndrome du côlon irritable et la maladie de Crohn aussi. Ils ont testé et ils ont vu qu'il y avait un tonus vagal, donc ce fonctionnement du nerf vague là qui était réduit chez les deux, justement. Donc quand on parlait aussi des causes tout à l'heure, ça pourrait être ça, un tonus vagal réduit et puis du coup plein de problèmes digestifs qui s'en suivent. Et inversement, plein de problèmes digestifs et du coup un nerf vague qui fonctionne plus très bien. Il y a eu une étude aussi hyper intéressante sur des souris avec des probiotiques. Ils ont donné des probiotiques à des souris, ils ont coupé le nerf vague et ils se sont rendus compte que quand c'est des souris, c'est horrible ce qu'ils font à ces animaux en laboratoire, on ne cautionne pas ça, mais on est désolé. Cautionne pas. Voilà, ils ont coupé le nerf vague des souris et les probiotiques, elles avaient plus d'effet du coup dans les souris qui avaient le nerf vague coupé. Donc c'est hyper intéressant comme tout est lié comme ça. Qu'est-ce que t'en penses toi justement des probiotiques? Parce que c'est des choses qu'on peut entendre, ça, probiotiques, enzymes digestives, voilà, pour aller sur des choses un peu plus précises. Dans le cas particulier du syndrome de l'intestin irritable, toi, c'est quelque chose que tu conseilles? Qu'est-ce que t'en dis? Alors, c'est pas du tout systématique, et tu te rends compte en consultation, quand tu demandes aux personnes qu'est-ce que vous avez déjà essayé, qu'est-ce que vous avez déjà pris, 99% des personnes ont déjà pris des probiotiques. Parce que c'est la première chose qu'on conseille quand on va à la pharmacie ou les médecins. Mais voilà, je ne remets pas du tout en cause l'efficacité des probiotiques, mais ce n'est pas le remède miracle, les probiotiques. Donc, j'en conseille parfois, honnêtement,
c'est assez rare, vraiment. J'en conseille parfois, mais en deuxième intention. Quand je les conseille, c'est pas du tout la première chose à mettre en place. Les compléments alimentaires, quels qu'ils soient, dont les probiotiques, ils seront pas révolutionnaires si aucun changement n'est effectué dans l'hygiène de vie. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon bah tiens, j'ajoute des probiotiques sans forcément faire un peu une réforme de l'hygiène de vie à côté, et ça n'aura pas de résultats significatifs. Les compléments, ils maximisent uniquement les bienfaits de l'évolution des habitudes et de l'alimentation. Donc voilà, si un bon changement dans l'hygiène de vie, ensuite, pour réensemencer la flore, on peut ajouter des probiotiques, bien sûr. Et encore, c'est pour ça aussi que c'est important d'identifier la cause des troubles digestifs. Parce que si, par exemple, l'intestin irritable est dû à un SIBO, bah là, si on prend des probiotiques, bah là, ça va être encore pire parce qu'on va alimenter la prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Le SIBO, je le rappelle, hein, c'est des bactéries qui normalement sont bonnes pour le corps, mais qui ne sont pas dans le côlon comme elles devraient être, mais qui restent à la porte de l'estomac juste après au niveau de l'intestin grêle et qui stagnent. Donc, c'est ça qui provoque notamment les ballonnements après les repas et tous les autres symptômes associés. Et voilà, c'est pour ça que le SIBO, voilà, on le sait, c'est pas rare. C'est pas rare du tout de nos jours des personnes qui ont le SIBO. Donc, on comprend bien que cette prolifération bactérienne, bah, si en plus par-dessus on rajoute avec des probiotiques des bactéries, bah, ça va juste alimenter ces bactéries au mauvais endroit et les symptômes vont être exacerbés. Donc, voilà, faut vraiment avoir ça en tête que les probiotiques ne sont pas systématiques. Les probiotiques, c'est pas systématique. Ça pourrait Ou faire un c'était quoi? Non, trop c'était beau les slogan. antibiotiques, c'est pas automatique. Les Les antibiotiques, c'est pas antibiotiques, automatique. Ah, on va faire la même chose avec les probiotiques. Oui, j'imagine qu'il faut d'abord nettoyer le tractus intestinal, enfin, en tout cas, voilà, qu'il n'y ait plus ce Exactement, SIBO. exactement. Faut vraiment assainir. Ouais, faut assainir, nettoyer et s'assurer que ben, y a plus ces éléments pathogènes avant de venir réensemencer. Et encore une fois, même si les probiotiques ont un effet bénéfique sur une personne, on n'est pas censé prendre des probiotiques ad vitam aeternam. C'est en transition. Mais les probiotiques, normalement, on les trouve dans l'alimentation. Donc, une fois qu'on voit que les probiotiques nous font du bien, bah, on essaie tous les jours de mettre un petit peu l'accent sur les aliments fermentés pour venir naturellement enrichir le microbiote et petit à petit se détacher des Okay. Ouais, probiotiques en donc manger complément. de la choucroute et buvez du kombucha. C'est ça, et des cornichons, et des olives, et du tempeh, voilà, des choses comme ça qui sont super bonnes pour le ventre. Tu disais c'est pas par ça qu'on commence, donc par quoi est-ce qu'on commence quand on a le syndrome de l'intestin irritable? Par quoi est-ce que toi tu conseilles de commencer en tout cas? Alors, moi je conseille de commencer déjà par la simplicité. Souvent, quand on va pas bien, on se dit qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Souvent, c'est en se délestant de certaines choses que le corps, voilà, il se sent mieux, il respire, il a un peu de repos. Donc, vraiment partir sur des choses basiques, rééquilibrer l'alimentation, avoir une alimentation simple, digeste. Peut-être dans un premier temps éviter certaines catégories d'aliments, mais vraiment dans un but test, hein, pour soulager le ventre, pour vraiment lui accorder du repos, soulager les symptômes, avant de réintégrer les aliments petit à petit quand on se sent mieux. Aider le foie aussi dans un premier temps. Souvent avec des troubles digestifs, le foie est un petit peu malmené. Donc aider le foie, ça soulagera beaucoup le ventre et ça favorisera le bien-être digestif. Et après, voir tout le reste à côté. Le sommeil, optimiser le sommeil s'il n'est pas de bonne qualité. Ajouter une activité physique si ce n'est pas le cas. Pas forcément se tuer au sport toute la semaine, non, ce n'est pas du tout le but. Mais juste ajouter du mouvement, si ce n'est aller marcher 30 minutes par jour, c'est déjà très bien. Il y a des gens qui ne le font pas. Prendre soin aussi bah, de sa santé mentale, s'accorder du repos. Souvent, les gens qui ont l'intestin irritable, c'est des personnes qui ont un peu une vie à 1000 à l'heure. Très très souvent. Alors voilà, c'est un exemple, hein, c'est pas une réalité avérée, il y a toujours des personnes qui ne sont pas dans ce cas-là, mais dans la majorité des cas, c'est des personnes qui ne s'arrêtent jamais, qui ont toujours besoin de combler les trous dans l'emploi du temps. Et ben, en fait, leur esprit n'a pas de repos et leur corps non plus.
Donc, c'est logique quand on y pense que les intestins n'en peuvent plus. Ils n'ont pas le temps, en fait, de se poser, de vraiment enclencher le processus de digestion. Et il y a toujours souvent soit de la constipation, soit des diarrhées. Donc, vraiment prendre conscience que se reposer, c'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est en faveur de notre santé qu'on fait ça. On a besoin de recharger les batteries, de se recharger en énergie pour être ensuite dans les meilleures dispositions pour vivre notre vie à côté. Donc essayez aussi de trouver cet équilibre entre activité, repos, qui n'est pas évidente chez certaines personnes. Je prends quelques secondes de cet épisode pour t'annoncer que j'accueillerai 16 nouvelles personnes en coaching à partir de fin octobre. Si tu veux accomplir des choses, que tu as des projets ou que tu sens que tu as besoin de changements profonds dans ta vie, mais que tu as la sensation qu'une force invisible te retient, que tes efforts ne paient pas, peut-être que tu as déjà fait un bout de chemin toi-même, mais tu sens que tu butes sur des sujets qui reviennent tout le temps, que tu es anxieuse et que tout ça, ça te donne l'impression de fonctionner mais pas de vivre pleinement, alors ce programme est pour toi et je t'invite à rejoindre la liste d'attente. Je vais partager très bientôt tous les détails du programme et des super bonus aux personnes qui auront rejoint la liste. J'insiste sur le point de la liste d'attente parce que j'ai beaucoup de demandes et j'enverrai les infos vraiment qu'aux personnes qui sont sur la liste. Je me réjouis immensément de pouvoir t'accompagner et on retourne à notre sujet du jour. Oui, et puis on peut pas, en plus, au niveau de la santé mentale, on peut pas faire le travail de fond si on n'a pas d'énergie, si on n'a pas de ressources. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez difficile à comprendre, mais le pilote automatique, ça demande aucune énergie d'avoir toujours les mêmes pensées, toujours les mêmes comportements, les mêmes réactions. Mais si on veut commencer à passer de la réaction à la réponse, choisir sa réponse, dire ok, là, je vais changer mes habitudes, je vais plus réagir de cette façon-là, etc. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Notre cerveau, il essaye d'économiser de l'énergie, hein. Il évite la douleur, il cherche le plaisir, il économise de l'énergie. Donc, il nous faut cette énergie, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Et si on se repose jamais. Exactement. Et c'est pour ça aussi que j'insiste sur se délester des choses qui ne nous servent pas. Ça fait de la place, ça fait de la place, ça permet au corps d'avoir des moments où il n'y a rien et c'est pas grave, tant mieux. Ça permet au corps, au cerveau de se régénérer, de se reposer pour être plus efficace après. Donc complètement. Donc sans aller dans le détail, parce que j'imagine que tu fais ça en consultation, mais quand tu dis digeste, plutôt du cuit, utiliser des épices, ce genre de choses. Ouais. Favoriser le cuit dans un premier temps, toujours hein, quand je dis aux personnes d'éviter les crudités, c'est pas pour toute la vie, mais c'est juste le temps de laisser aux intestins le temps de se reposer. Donc privilégier le cuit, ne pas apporter trop d'informations dans l'assiette, tu vois les pokéballs avec plein de petites graines, plein de petits légumes par-ci par-là, ça c'est le pire pour le ventre. Et même si c'est à la mode, même si c'est beau, même si c'est bon, c'est pas ce qui plaît au ventre. Donc vraiment se contenter d'une source de féculents principale dans l'assiette, une source de protéines, une source de légumes, sans trop forcer sur les légumes non plus. On voit les recommandations, légumes à volonté, etc. Oui, pour quelqu'un qui a une bonne capacité digestive. Par contre, si on a une faiblesse au niveau des intestins, trop de légumes, ça peut ne pas passer. Donc, éviter de faire, tu vois, moitié de l'assiette légumes et ensuite protéines, féculents, souvent, ça ne passe pas. Donc, plutôt faire un quart, un quart, un quart. Éviter les desserts systématiques, ça je le répète souvent parce qu'on me pose souvent la question en consultation, on me dit est-ce que les desserts c'est conseillé? Alors non, ce n'est pas conseillé parce que normalement on n'est pas censé prendre de desserts, les garder vraiment pour les occasions, quand on sort manger au resto, quand on est invité ou quand on invite ou quand on veut se faire un petit plaisir dans la semaine. Mais il ne faut pas que ce soit ancré dans les habitudes midi et soir de prendre un dessert parce que il suffit que le dessert ce soit du pain avec du fromage par exemple. Mais si on a mangé du riz à midi, on va rajouter une deuxième source de féculents fort au même repas. Donc le bol alimentaire, il va être très très chargé, ça va être très compliqué à gérer. Donc essayez de faire le plus simple possible à chaque repas. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire de manger fade. Il faut ajouter des épices, il faut ajouter du goût, des petites sauces, des choses comme ça. Bien sûr, il faut se régaler. Le but, c'est de se faire plaisir gustativement. On peut se faire plaisir tout en ayant une alimentation digeste. Et quand on mange, qu'on se fait plaisir et qu'en plus, après manger, on est bien, on peut continuer les autres activités et tout, ça change tout. Plutôt que avoir l'estomac plombé et devoir aller se coucher parce qu'on ne peut plus rien faire après manger. J'allais te poser la question du sucre notamment parce que oh là là, moi je crois que je serais la patiente qui
négocie. Je peux une petite compote, je peux un carré de chocolat noir, s'il te plaît. Alors oui, ça oui, par contre, tu vois, par exemple, le carré de chocolat noir, mais ça, c'est bon. Enfin, moi, je le mange après chaque repas. C'est pas ça qui va faire quoi que ce soit. Encore une fois, il faut mesurer aussi la grosseur de la chose, quoi. Si après chaque repas, tu te prends une pâtisserie, là, ça peut être compliqué. Par contre, un carré de chocolat, un petit yaourt à la noix de coco ou lait de brebis ou lait de chèvre, si ça passe, aucun problème. Mais voilà, les desserts de type pain, fromage, confiture, hein, moi, j'ai des personnes qui mangent ça après manger. Donc, ou alors la glace, systématiquement, le magnum ou les boules de glace après manger. Bah, encore une fois, si c'est une fois... Ça va pas choquer le ventre parce que bon, c'est une fois, c'est de manière occasionnelle. Mais si c'est tous les jours, le ventre, au bout d'un moment, il va dire stop quoi. Laisse-moi un petit peu respirer. Donc, toujours être quand même raisonnable. Yes, yes. Oui, je sais plus, il y a une citation, mais je crois que c'est déjà Hippocrate qui disait ça, que c'est pas la qualité de la chose en soi, c'est la quantité qui fait le poison, en fait. Exactement, exactement. Et honnêtement, dans tous les symptômes de l'intestin irritable, j'insiste sur ça avec mes clientes, en leur disant qu'il faut pas diaboliser les aliments, même si voilà, c'est des aliments sucrés, etc. Parce que si c'est consommé de manière raisonnable et ponctuelle, il y a aucun problème. Au contraire, tu vas te faire plaisir, tu vas activer les bonnes hormones, la sérotonine, la dopamine, etc. Donc c'est bon. Par contre, c'est si tu en manges trop souvent ou en trop grande quantité d'un coup que là, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça qu'un petit carré de chocolat après manger, mais aucun problème. Même c'est bénéfique, même parce que tu te fais plaisir. Et voilà, c'est pas un carré de chocolat qui va changer quelque chose. Si tu manges par contre la tablette ou une tartine de Nutella après manger, là, c'est pas pareil, si c'est tous les jours. Mais ouais, le carré de chocolat, je valide. sur le sujet du sucre, des sucres, on entend beaucoup parler de FODMAP avec cette histoire d'intestin irritable-là. J'ai l'impression que personne comprend ce truc. Moi, les FODMAP, je suis là, ok. Sucre fermentissible, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce qu'on en fait ? À qui on dit, bon, allez, il faut supprimer les FODMAP, j'imagine qu'il se dit, oh my god, genre, ma vie va devenir tellement compliquée. C'est quoi ta vision des choses là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu travailles? Est-ce que c'est conseillé? Ouais, c'est quelque chose avec lequel je travaille. Alors, encore une fois, pas systématique, hein. Vraiment, l'approche est toujours individualisée. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'aller jusqu'à la méthode FODMAP pour se sentir mieux. Il y a des étapes à faire avant et ça peut largement suffire. Les personnes avec qui je vais jusqu'à la méthode FODMAP, ça se passe très bien parce que, à première vue, en fait, souvent, c'est quand on va chez le médecin et qu'on a les symptômes de l'intestin irritable, le médecin donne juste une fiche. Et disent au patient, voilà, il faut éviter, ne mangez plus ça. Donc la personne, forcément, elle est perdue, elle voit la liste à rallonge, on se dit, mais je vais pas pouvoir passer ma vie à éviter tout ça, c'est pas possible. En fait, il faut partir du principe déjà que la méthode FODMAP, ça se fait sur le court terme. Parce que ces glucides fermentissibles sont bons pour la santé. C'est des aliments qui sont sains, c'est des aliments bruts, naturels. Donc, on n'a pas intérêt de tous les supprimer de notre alimentation. Donc, il faut les éviter sur une période de 3-4 semaines. Honnêtement, ça se fait assez rapidement. Et ensuite, au bout du deuxième mois, on peut déjà commencer à réintégrer petit à petit, catégorie par catégorie de FODMAP. Dans ces aliments qui sont à éviter, c'est des aliments de tout type de catégorie. Il y a des légumes, il y a des fruits, il y a certains céréales. Mais dans ces catégories-là, il y en a à privilégier aussi. Donc en fait, c'est juste une petite sélection à faire pendant quelques semaines. Mais il n'y a pas de catégorie entière qu'on évite. On mange toujours des glucides, on mange toujours des légumes, on mange toujours des protéines. C'est juste que voilà, il y a des petits ajustements à faire pendant un mois. Mais dans 90% des cas, on se sent beaucoup mieux au bout de quelques jours. Donc rien que ça, en fait, tu te dis, ok, je fais pas ça pour rien, ça a un réel effet, donc on continue volontiers. Moi, j'aime beaucoup aussi donner des idées de recettes, des idées de repas, envoyer des e-books de recettes pour faciliter aussi ce premier mois. Donc en fait, au final, ça se passe très très bien. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, les FODMAP, ce sont des sucres qui se digèrent pas facilement et qui fermentent au contact des bactéries du côlon.
Donc c'est pour ça qu'on peut avoir cet effet de ventre gonflé, ventre distendu, avoir des gaz aussi. Pour les personnes qui ne sont pas sensibles, ça passe un petit peu inaperçu, mais pour les personnes sensibles, les résultats vont être décuplés. Donc le but, dans un premier temps avec cette méthode, c'est d'éviter ces aliments-là pour soulager les intestins et les renforcer, du coup, leur permettre vraiment de se régénérer pour après réintégrer progressivement. Afin de détecter déjà ceux qu'on ne tolère pas. Ça permet de faire un premier tri, et des fois c'est des aliments qu'on ne soupçonne pas et qu'on consommait tous les jours. Donc on se dit, ah oui, en fait, c'était donc ça. Déjà ça. Dans un deuxième temps, le point positif de la méthode, c'est que en faisant cette réintégration progressive, eh ben, au final, on élargit notre panel d'aliments dans notre quotidien, parce que comme on en parlait tout à l'heure, l'intestin irritable, ça peut provoquer un petit peu une orthorexie, et on pense parfois à tort que certains aliments sont la cause des symptômes, donc on n'en mange plus du tout, alors qu'en fait, il n'y avait aucune raison, et que ces aliments-là, on peut très bien les consommer de manière raisonnable. Je pense souvent aux glucides. Il y a des gens qui éliminent complètement le pain, le riz, les pâtes, etc. Alors qu'on peut très bien en consommer toujours en choisissant les bons aliments. Peut-être pas tous les jours manger des pâtes de blé panzani. Par contre, se tourner vers des pâtes d'épeautre, des pâtes au sarrasin, des pâtes au quinoa, des choses comme ça. Ben, ça peut permettre de varier, d'avoir toujours ce type d'aliments dans notre alimentation. Et de vraiment avoir une alimentation équilibrée. Et dans un troisième temps, la méthode aussi permet de se rendre compte que c'était pas l'aliment qui posait problème de base, c'était vraiment la façon dont notre corps l'assimilait. Donc le fait de faire ces étapes qui renforcent le corps, qui renforcent le terrain, des fois, moi j'ai des clientes qui réessaient des trucs comme les yaourts, au lait de vache classiques, on va dire, ou des choses comme une part de pizza. Et avant même de l'avoir mangé, elles ont peur parce qu'elles se disent « mais jamais ça va passer ». Et en fait, elles le mangent, elles se rendent compte que ça passe très bien. Et elles se disent « waouh, ça avant ça passait pas du tout, et aujourd'hui mon corps il est beaucoup plus tolérant ». Parce qu'il y a eu un travail fait sur l'organisme, et au final, une fois que le corps est renforcé, il est beaucoup plus à même de digérer des choses qu'il ne digérait pas forcément avant. Donc vraiment, cette méthode, quand elle est bien faite, elle est très efficace. Les dérives, c'est que certaines personnes restent en low FODMAP, donc faible en FODMAP, beaucoup trop longtemps, parce qu'elles se sentent mieux, donc elles se disent « oh trop bien ». C'est bon, j'ai trouvé l'alimentation qui me convient, je reste comme ça. Donc des fois, moi, j'ai des personnes en séance découverte qui sont en low FODMAP depuis 6 mois, 1 an. Et là, c'est pas bon du tout. Et justement, elles sont là parce que ça ne va pas. Si on reste trop longtemps en low FODMAP, les aliments riches en FODMAP, donc ces glucides-là, sont très riches en prébiotiques. Donc les prébiotiques qui sont l'alimentation des probiotiques, donc des bonnes bactéries. Sur 3-4 semaines, ça n'a posé aucun problème. C'est assez court, donc c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit au microbiote. Par contre, si on fait durer cette période trop longtemps, on appauvrit la flore intestinale et ensuite les troubles digestifs, ils recommencent. Donc c'est vraiment très 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 important de comprendre que la méthode de réintégration est obligatoire et très importante et qu'il ne faut pas rester en low FODMAP. Et j'imagine que c'est intéressant aussi en parallèle de tout ça, de se demander ce qu'on digère pas dans la vie aussi. Les relations aussi, qu'on digère plus, j'imagine. Tellement. Et exactement. Moi, j'ai toujours tendance à dire aux personnes qu'on peut voir d'un œil positif le fait d'avoir ce genre de troubles digestifs parce que ça remet toute notre vie en question. Ça demande déjà de prendre plus soin de soi. Donc, au niveau du corps, au niveau de l'alimentation, mais au niveau aussi du mental. Et donc, comme tu l'as dit, de revoir ses relations, de revoir la sphère professionnelle aussi, qui est toujours très au cœur des troubles digestifs. Hein. Donc, une profession avec laquelle on n'est plus aligné ou qui ne nous inspire plus. Et ça, c'est très important. Moi, personnellement, c'est quand j'ai changé de travail aussi que ça a radicalement changé au niveau du ventre. Donc, c'est pas anodin.
Donc ouais, comme tu dis, se poser la question, qu'est-ce qu'on ne digère plus dans notre vie, qu'est-ce qui ne passe plus, et ça change beaucoup de choses quand on fait certaines modifications. Ouais, moi souvent en coaching je dis ça, et quand je faisais seulement du coaching de santé pur encore plus, où je disais aux personnes voilà, bienvenue dans le moment du coaching où changer ton mode de vie ne suffit plus, il va falloir changer ta vie. Maintenant t'as des nouveaux outils, génial, bienvenue dans une nouvelle phase. Donc ouais. Ouais, c'est tellement important. Tu donnes aussi des cours de yoga, du coup tu l'as évoqué rapidement. Qu'est-ce qui va être bienfaisant comme posture? Alors voilà, de façon un petit peu générale peut-être, mais est-ce que tu conseilles un yoga plutôt doux, type yin, ou qu'est-ce que tu pratiques un peu à quelqu'un qui se sent pas super bien au niveau du ventre? Qu'est-ce qui est le plus indiqué en termes de yoga? Alors oui, si la personne est vraiment dans une phase où ça va pas très bien au niveau digestif, c'est pas évident de se mettre en mouvement. Donc ouais, je conseillerais bien le yin. Alors moi, pour ça, les cours que je propose, ce sont les cours de yin yoga et les cours de hatha doux. Donc c'est des cours de hatha, mais très doux, donc avec des postures principalement au sol. Donc ça reste assez lent, assez faisable, même si on a un petit peu mal au ventre ce jour-là. Sinon, le hatha classique est vraiment bien aussi. En fait, le yoga en règle générale est très bénéfique pour le ventre, dans tous les cas, sans parler de posture en particulier. Tu l'as dit tout à l'heure, le lien entre le cerveau et le ventre qui est avéré. Donc la relaxation, la méditation, la respiration en conscience, tous ces exercices-là qui vont viser à apaiser le mental auront forcément un effet positif sur le ventre aussi. Donc une séance de yoga déjà à proprement parler, c'est un moment de bien-être qu'on s'accorde, donc c'est vraiment une bonne initiative. Ensuite, en termes vraiment plus pratiques, toutes les postures de type torsion, donc torsion à droite, torsion à gauche, les flexions avant, puis les flexions arrière, en fait c'est des mouvements qui sont opposés et qui vont vraiment stimuler la zone digestive. On va compresser, masser les organes, ensuite on va les étirer. Donc tout ça, ça va vraiment les stimuler en profondeur. Ça aura un effet bénéfique sur les douleurs, sur les ballonnements, sur les gaz. Moi, des fois, ça me fait rire parce que j'ai des personnes qui m'envoient des messages après en me disant « Oh, ça a dégazé aujourd'hui !» Mais c'est bien, c'est positif, ça veut dire que ça a travaillé. Mais il y a même une posture en yoga qui s'appelle la posture des vents. Moi, elle m'a toujours fait rire. La posture de la libération des vents. Ouais, ouais, ouais. Et puis quand tu es dans la posture, ça fait tout son sens, hein. Oui, absolument, absolument. Donc voilà, et pour les personnes notamment qui ont des troubles du transit, plus particulièrement la constipation, franchement, ces postures-là, elles sont top. Moi, je conseille souvent aux personnes, même qui ne font pas du yoga régulièrement de manière... qui font par exemple des cours de 1 heure régulièrement, je leur dis toujours, vous pouvez très bien faire 1 ou 2 postures chaque jour, ça vous prendra pas plus de 10 minutes, mais au moins vous les ferez, et au moins vous mettrez en position et vous ferez ces postures qu'on ne fait pas en fait au quotidien. Au quotidien, on tord pas son ventre, on a pas du tout ces mouvements-là. Donc ce qui fait que en plus, si on a une posture assise toute la journée, si on travaille dans un bureau, ben voilà, cette zone-là, elle est jamais stimulée, et ça améliore pas les soucis digestifs. Donc vraiment, voilà, prendre du temps pour bouger son corps, le stimuler, ça fera du bien dans tous les cas. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, la respiration aussi, la respiration consciente, la respiration ventrale, qui est vraiment top pour le ventre. Ça nous apprend aussi à voir que au quotidien, bah, on a une respiration très superficielle, tu le sais. Dans ton travail, je pense que tu es assez calée sur la question, mais notamment au niveau du ventre, on se rend compte en cours de yoga, quand je répète tout le temps de se relâcher, de vraiment gonfler le ventre à l'inspiration, ben on se rend compte qu'au quotidien, on rentre le ventre de manière inconsciente. Mais on a toujours ce réflexe de rentrer le ventre à tout prix. Donc c'est important aussi de lâcher prise à ce niveau-là, et c'est ça qui sera bénéfique pour la digestion. Oui, surtout quand il est tout le temps gonflé, j'imagine, il y a cette espèce de réflexe. Et ouais, moi j'ai pas mal... étudier du coup le nerf vague aussi dans le yoga, et même moi, quand je fais ma pratique de yoga, je suis toujours en train de me répéter, Camille, le yoga c'est respirer en bougeant, c'est pas bouger en respirant, c'est respirer en bougeant, je me répète toujours pour bien me concentrer sur ma respiration. Et ce qui est super puissant en deux mots, mais ce qui est super puissant dans le yoga au niveau du nerf vague, c'est que
En fait, dans le yoga, on se met dans des postures qui ne sont pas forcément confortables. C'est ce que tu as dit quand Ouais. ce n'est pas nos postures d'habitude. Et en fait, on apprend à respirer dans l'inconfort. Et ça envoie un message au système Exactement. nerveux et ça renforce le nerf vague, mais de façon tellement puissante. Et le nerf vague, quand on se rend compte qu'on est dans ces états de survie, là, au niveau du système nerveux, quand on est en dorsale, donc le shutdown, c'est un peu ces moments où on a juste envie de rester sous la couette, qui est assez proche de la déprime, on a tendance à être plutôt en diarrhée. Et ça a du sens au niveau de la survie, parce que c'est vraiment le dorsal, c'est faire le mort. En fait, c'est ma dernière option et c'est la meilleure stratégie là maintenant pour survivre. Et 500 grammes de moins dans mon corps, ça pourrait faire la différence s'il faut que je me carapate en genre un millième de seconde. C'est vraiment l'histoire de la gazelle qu'on voit. Tu sais, le lion, il tourne la tête dans le documentaire et la gazelle, c'est exactement ça. Donc ça a du sens. Et quand on est en fight or flight, qu'on s'apprête à combattre ou à fuir, là, ça a beaucoup plus de sens. Tout se contracte parce qu'en fait, c'est pas le moment, Ouais. genre, d'aller aux toilettes, quoi. Il faut se battre. C'est clair. Donc ça s'explique super bien, cette alternance, là, de quand il y a un tonus vagal qui est pas bon, cette alternance de diarrhée constipation. Et c'est juste pour faire le lien, du coup, avec le yoga, à quel point c'est Totalement. puissant et bienfaisant. Et on terminera là-dessus. Qu'est-ce que tu donnerais un peu comme meilleur conseil, peut-être ton top 3, ou j'en sais rien, des conseils pour une personne qu'on, même une santé digestive pas au top, peut-être même qui se sont pas forcément, voilà, identifiés à l'intestin irritable, mais où la digestion elle est pas confortable, qui du coup sont aussi anxieuses, qui voient qu'il y a des petites choses qui vont pas à cet endroit-là. Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, ça va être un conseil qui ne va pas être très original, mais moi, par expérience, avec moi et avec mes clientes, c'est vraiment le meilleur et c'est sur ça qu'il faut se focaliser, c'est vraiment d'agir de manière globale. Ne pas se dire, ok, je m'occupe de mon alimentation, ou ok, demain je me mets au sport et c'est ça qui va changer quelque chose. C'est vraiment une approche globale, donc agir dans l'assiette, dans le mode de vie et dans la tête. Comme tu vas soigner le choix de tes aliments dans ton assiette, bah, tu vas accorder la même importance à tes pensées. C'est un triste constat parce que moi aujourd'hui je le vois avec mes clientes, mais c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, moi il y a quelques années. Les personnes qui ont des troubles digestifs en général, c'est des personnes qui sur le moment sont assez négatives, assez défaitistes, assez pessimistes. Et on peut pas les blâmer, hein. Moi je suis passée par là, l'errance médicale est très très frustrante. Mais la qualité de l'état mental influe directement sur l'état physique. Et donc pour améliorer la situation, quand on a un syndrome de l'intestin irritable, c'est vraiment un changement en profondeur qu'il faut effectuer. Donc, tu en as aussi parlé tout à l'heure, des fois, il faut ratisser très très large, mais c'est essentiel. C'est vraiment essentiel, on en ressort grandi. Et une fois que les problèmes de ventre ils sont résolus, tu vois encore une fois les points positifs, tu apprends à te prioriser. Tu fais des choix vraiment en fonction de ton bien-être, tu t'écoutes, tu connais tes limites aussi, tu apprends à dire non. Et tout ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on se focalise vraiment sur la digestion, mais c'est la base, vraiment. Et c'est ça qui va faire effet boule de neige et qui va faire en sorte qu'on se sente de mieux en mieux. Donc, ne lésiner aucun aspect de sa vie. Ça prend du temps, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est clair. Se faire aider si besoin, parce que voilà, on n'est pas des super-héros. Des fois, on a besoin d'une aide extérieure pour démêler nos pensées, pour y voir plus clair, pour avoir aussi un cadre et une marche à suivre. Donc voilà, mais vraiment faire passer son bien-être avant tout le reste, c'est le plus important. Oui, et peut-être j'ajouterais, si tu le permets, c'est de commencer dans chaque domaine, et dans chaque domaine de se dire, moi j'aime bien demander à mes coachés, c'est quoi les 5% tolérables là maintenant, tout de suite. Les 5% de ton objectif, ils vont te sembler 100% là maintenant, mais commencer petit, parce qu'un des effets du trauma aussi, c'est de pas tenir ses promesses envers soi-même. C'est hyper Oui. dur. C'est hyper dur parce que vu qu'on a l'habitude de pas répondre à nos besoins et que c'était ça. C'était ça notre mécanisme depuis si longtemps, parce que voilà, peut-être qu'il fallait protéger le lien d'attachement avec papa, maman, peu importe pourquoi, mais on a cet un peu ce mécanisme d'auto-trahison permanent. Alors, il faut pas le prendre comme terme culpabilisant, hein, mais c'est super dur de dire je vais faire ça et puis de le faire vraiment, en fait. Et ça, c'est vraiment un des effets du trauma. Donc voilà, peut-être commencer dans chaque domaine de sa vie, mais commencer petit, surtout si on a une vie à mille à Commencer l'heure. petit. Ouais. Ouais, vraiment,
faire étape par étape, et une fois qu'une habitude est ancrée, on peut passer à la suivante, mais tu as raison de le préciser, parce que ça sert à rien de vouloir révolutionner sa vie du jour au lendemain. On va s'essouffler au bout de quelques semaines et au final, aucun changement n'aura été fait. Donc de toute façon, l'hygiène de vie parfaite est impossible. Donc déjà, essayer d'apporter des petites améliorations dans chaque domaine au fur et à mesure, et c'est là que sur la durée, ça va porter ses fruits. Ouais, un jour, on se retourne et on se dit waouh, en fait, ça a bien changé. Mais c'est dur de s'en rendre compte quand on est dedans, effectivement. Ouais. Et c'est vrai que faire les progrès, moi j'aime bien dire ça aussi, mais faire les progrès et remarquer les progrès, c'est aussi important, parce que si je peux prendre le temps de remarquer les progrès, bah c'est ce que tu disais, la santé mentale elle est importante, hein, et je vais pouvoir me célébrer, je vais avancer. Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé, toi, sur ton chemin, peut-être des livres que t'as lus, des podcasts, des ressources qui t'ont inspiré et que tu conseillerais pour aller plus loin? Moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas vraiment concernant le ventre, le livre Régénération intestinale de Daniel Kéfer. Okay. Qui est vraiment complet, et en fait j'ai trouvé qu'il permettait de comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Plutôt que se dire mais qu'est-ce qu'il a mon ventre, pourquoi il me fait tout le temps souffrir, ben voilà, comprendre le fonctionnement. Il donne aussi des conseils très judicieux à l'intérieur, et après à côté de ça, ben, c'est des livres de développement personnel qui m'ont aidée. Tu vois, la transformation intérieure de Sadhguru par exemple. J'ai adoré, parce que ben voilà, là c'est en lien avec la santé mentale. Il lit aussi le yoga parce que c'est un yogi, donc c'est vraiment une approche holistique, et il parle d'alimentation également dans son livre, mais voilà, c'est toutes ces ressources là qui sont très très enrichissantes, qui m'ont vraiment plu et aidé. Ok, donc le livre de Daniel Kiefer et de Sadhguru, on le mettra dans les show notes, je mettrai le lien dans les show notes pour les personnes qui veulent aller les lire. Bon, super, merci infiniment Marina pour toutes tes connaissances, voilà, ta présence, tes apports, c'est génial, je suis sûre que ça va aider plein 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 de monde. Si vous avez une digestion un petit peu dérangé ou qui est pas super confortable, si vous connaissez quelqu'un qui se plaint aussi souvent de maux digestifs, envoyez-lui cet épisode de podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram? Alors Instagram, tout simplement Marina Gradiano, juste avec un petit tiré du bas au début ou à la fin, je ne sais plus, je ne connais même pas mon nom Instagram. Sur Facebook aussi, Marina Gradiano naturopathe, et sur mon site internet marinagradiano.com. Ok, donc c'est facile, on va tout mettre de toute façon en show notes dans les liens. Ouais. Ok, super, merci infiniment Marina. Merci à toi Camille, c'était un super échange, merci beaucoup pour ton invitation. Merci, on se retrouve très vite pour tout le monde dans un autre épisode de Pas de soucis.